Bonjour Monsieur Rouget, donc Bonjour. de grands événements à venir dans les jours à commencer. Alors on va, le plus important c'est peut-être le Diane, Mojo Rizin, une pouliche au parcours un petit peu original. Ouais, un parcours qui va devenir de moins en moins original. Parce que avant on avait besoin de tester les chevaux dans les bonnes épreuves à Paris pour voir si on avait le niveau, mais maintenant on a suffisamment de lignes à la maison pour ne pas forcément aller sur les grands préparatoires, parce que souvent ça use les organismes quand même. Voilà. Donc en date, je ne pouvais pas recourir. J'aurais recouru Saint-Alary s'il avait été 8 jours avant, mais je ne peux pas prendre le risque à 3 semaines avec le voyage de courir les deux courses. C'est pour ça qu'elle ne l'a pas recouru. Une pouliche donc particulière, puisque vous l'avez accueillie après sa première tentative. Oui. C'est arrivé ici le 15 janvier. Ouais. Très impressionnante pour ses débuts, très impressionnante les deux fois suivantes. Voilà, trois fois. Une pouliche dans sa façon de galoper qui donne l'impression de ne pas toucher le sol. Oui, pouliche très légère physiquement, avec une action superbe. Et voilà, très gazelle comme ça. Pour l'instant, elle a battu ce qu'on lui avait donné à battre, sans aucun problème. Sans aucun problème, pour que ça dure. Voilà, elle ne sera pas seule au départ du Diane, puisque a priori vous présentez la pouliche de Monsieur Allen. Oui, c'était The Night pour une place, elle est inférieure à l'autre. Mais c'est une pouliche très beau physique, avec un très bon pédigré. Donc c'est quand même l'occasion de voir si elle peut prendre une place dans une course comme ça, c'est valorisant. Dans les bons chevaux de l'écurie, on va reparler d'avenir certain. Après une rentrée qui s'est passée comme on le sait, oui. On se tourne vers l'avenir. L'avenir, ce serait plutôt quelle échéance ? L'avenir, donc déjà, elle va courir dimanche. Le prix... Chemin de fer du Nord. Et puis après, elle va aller à Deauville, sûrement. Courir le Rothschild, si ça se passe bien dimanche. J'ai vu un engagement à Arlington Park. Ouais, ça c'est des engagements comme ça. D'accord. On va voir après ce qui va se passer. La distance, on va toujours évoluer entre 1600 et 2000. Voilà. Ouais, change rien, mais bon, comportement à la pause de rentrée n'était pas bon. Souvent, il faut un coup de stress, faut espérer que au fil de la saison, elle retrouve ses marques au niveau sérénité, tout ça, alors que le matin, elle est vraiment facile. Gibraltar a lui bien fait d'entrée. Oui, il gagnait gentil parce qu'il n'était pas prêt, puis que le lot était supérieur, et puis bonne course dans le Grand Prix de Chantilly, donc. On va voir, on va essayer d'éviter les tout premiers plans pour commencer. Et puis, on va essayer de lui dessiner un programme. Lui aussi était engagé à Ascot. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou... Non, pas pour l'instant. Non. Pas pour l'instant. Ascot, Hervedia sur par contre. Oui, Hervedia, elle est très bien. C'est sa course, normalement. Elle a bien encaissé. Oui. Donc on y va avec de grosses ambitions. Exactement. War Dispatch, comme vous me l'aviez dit déjà, donc on va aller sur le Eugène Adam. Oui. Et puis après, Deauville, sûrement. N'ayant pas couru tout ce printemps, que le guiche, ça va lui permettre de faire l'été. Nitron, finalement, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs engagements, le prix d'Ulysse, le je derby. Je pense que je vais le courir dans le derby, parce que la course est très facile. Que le cheval est très bien, donc c'est à côté. Pour une fois qu'on a des engagements près d'ici, on va en profiter. Et puis ça lui laissera un bon mois pour le Grand Prix de Paris après. Le principal danger viendrait-il d'une pensionnaire de Jean-Claude Rouget dans ce derby du Languedoc? Je pense pas qu'elle soit aussi bonne, surtout que là elle va pas bénéficier de la décharge de l'apprenti. Donc voilà, si elle est 2-3e, mais on ne sait jamais. C'est une jument qui progresse beaucoup. On ne sait jamais, les courses sont jamais courues d'avance. Dans les 3 ans, Moonlight in Paris, invaincu. Ouais, très facile, deux fois. Deuxième fois, un mauvais parcours. Enfin, un parcours qu'on a voulu, parce qu'on a pas voulu la lancer de loin, donc on l'a caché le plus longtemps possible. Donc après, elle a galopé 100 mètres. Voilà. Donc elle va recourir sûrement une course B. Il faut qu'elle ait, elle est pas mature du tout. Elle devrait être bien pour août-septembre. Dans les invaincus, Gunashop, dans les 2 ans, c'est bien aussi. Oui, un peu tendu dans sa deuxième course, comme ça arrive souvent. Tendu dans sa boîte, comme ça. J'ai préféré sa première course, mais c'est à cause du petit coup de stress qu'elle a eu le deuxième coup. Elle l'a fait avec sa classe, mais pas avec la manière dont j'attendais.
Bon, je pense que dans le pot du bois, ça va aller. Pareil, faut que ça prenne du métier, tout ça. On devrait bien courir dans le pot du bois, 1000 mètres, c'est vraiment son sport. Alors, plus près de nous, il y a Wireless qui devrait courir la coupe. Est-ce qu'il y a... On l'a laissé dans la coupe parce qu'il n'y a pas beaucoup d'engagement. Je n'ai pas trop envie de courir Compiègne, à main gauche. Ça ne me tente pas. Puis après, il n'y a pas beaucoup d'engagement pour ces chevaux-là. Mm. Le Grand Prix de Marseille Vivo, c'est pas un champ de course pour lui. Donc, pas beaucoup de choix. Benop, j'ai vu qu'elle était engagée dans le Grand Prix de Lyon. Oui, il faudrait qu'il y ait des orages. C'est une jument uniquement de terrain souple. Mais il faudrait la courir aussi, qu'elle ne reste pas 3 mois sans courir à Rondeauville. Donc, l'objectif étant le prix de Pomone à Deauville. Ouais. Elle est rentrée sur un petit peu court, mais quand les chevaux sont frais, c'est pas gênant en général. Quand ils sont bons, surtout. Ouais. Ouais. Puis pour les jambes, c'est mieux de les rentrer plus court. On a le temps de faire de la distance, parce que la distance, c'est quand même l'ennemi des jambes. Ah oui. Voilà. Et donc on va la ramener pour donc prix de Pomone et après on va la rallonger, on va aller sur les plus longues distances en fin de saison ou... Pour quoi, on va voir comment ça se passe là. Oui, on va essayer de... Entre 2004 et 3000 elle peut faire, on verra, on dessinera. Parce qu'elle est engagée dans l'arc aussi. Oui, enfin bon, au départ c'est pas le niveau. Ouais. Wikila. Wikila va sûrement courir le prix Chloé. Il y a deux options, c'était de la rallonger ou de la raccourcir par rapport au Saint-Hilary. Je préfère l'option de la raccourcir, on a toujours le temps de les rallonger, les chevaux. Donc c'est ça, et puis Deauville après de la nonnette, une course comme ça.